Fabrice sur le banc des remplaçants. Mohamed Younous avec qui sera le deuxième gardien de but. Youssef Tao, Abdelaziz Issa, Jim Digam Yves, Abakar Abenga, Mbeide Parfait et Pandé Jean-Paul. L'équipe est coachée par Monsieur Oumar Francis. Pour le Chabab Riyadi de Belouizdad, qui a eu énormément de changements pour cette saison et lors du mercato estival. On retrouve toujours Merbeh Gaya, maintenu dans l'effectif du Chabab Riyadi de Belouizdad. Chouaib Qaded, Nasser Chamseddin qui porte le brassard de capitaine. Le gardien de but de la formation de l'AS Coton. 5 minutes de jeu, bientôt 6 minutes, toujours 0-0 entre le Chabab. Sayoud Tabti Salmi. Allez, Sayoud de corner, sans problème pour le gardien qui vient rassurer sa défense. Le portier tchadien. Et avec cette prise de balle sur corner, le gardien tchadien est vraiment rentré dans le match. Tabti. Elle attention à ce centre. Et encore une fois, le gardien. Adaoussou qui pelouse, s'impose. Et la pelouse Hakim qui est un peu glissante sur les côtés. Elle a... la petite balle piquée, la tête, et ce sera encore un corner. C'est comme ça, Hakim. Ils ont entamé la saison avec un match officiel. Ils ne sont pas encore préparés. Mais c'est comme ça. Mais je suis en train de voir que le CRB Hakim aujourd'hui, à chaque fois qu'elle accélère le jeu dans les derniers 25 mètres. Alors, on voit encore cette occasion tout à l'heure, cette remise de balle de Jarrar de la tête pour Guesmi. Et heureusement, très très bien jusqu'à présent. Allez, attention, la frappe de Guesmi et la parade du gardien. Première grosse occasion là encore pour les Belouizdadi. Voilà, c'est bien tenté de la part de Guesmi parce qu'il y avait derrière beaucoup de joueurs tchadiens. Et corner rentrant, c'est Ayoudo, deuxième poteau et encore une fois le gardien en deux temps. Adaoussou, allez, il y a faute sur le gardien. Qui va pouvoir se dégager à l'aise. Adaoussou, le portier tchadien. Ce qui est bien côté but parce que Guesmi était dans une... Allez, la frappe de Sayoud, ça a été détourné. Et c'est le gardien. Long ballon, ça va être trop puissant. Ça va sortir en 5,50 m. La couverture du gardien. Et... Adaoussou, ce qui vient éloigner le danger. La frappe instantanée. Encore une fois de Sayoud. Peut-être. Le centre de Boulakhoua, Guesmi dans la surface de réparation et sans problème pour le portier. Adaoussou, et il avait glissé, il a manqué son contrôle, Guesmi. B doit marquer un deuxième. Allez, attention à ce ballon, c'était trop profond. Trop profond et un petit peu trop dosé aussi. Voilà, de Sayoud qui a essayé de redonner. Une situation qui, à travers cela, essaie de marquer le deuxième but. Attention à ce ballon pour le deuxième but, la parade du gardien, ouf! Le portier, allez, c'est pas fini, peut-être pour le deuxième encore une fois. Quel gardien de but, Adaoussou, qui vient sauver son île. Avec Tabti, Sayoud, Tabti, ballon là-bas pour Bousselliou, qui a tenté de redonner sur Guesmi. Oui, mais c'était pas tellement puissant, c'était à rater vers le gardien de but, il a intercepté. Allez, du Béco, Jamel Sayoud, de deuxième poteau, la tête, et avec position d'enjeu, drapeau levé. Et le gardien en plus. Adam, c'est Ayoud au deuxième poteau et ce sera pour le gardien de but. Trop facile cette balle. Guesmi qui a essayé de lui remettre, ça passera pas. Encore un bon placement du gardien. Adaoussou qui va se charger de jouer ce corner. Tabti au deuxième poteau. La défense qui se dégage. Nasser qui va remettre dans le paquet et le gardien qui va s'imposer et qui va rester à terre. Ah non, il va se relever. Allez, il va se remettre à terre. Voilà, le temps de dégager. Le gardien de but, il a déjà un carton. Il ne faudrait pas qu'il